Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Ebrick et aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau serveur, un petit serveur que je viens de découvrir. Donc ce serveur là se nomme Euromagic Minecraft, si je dis pas de conneries, enfin c'est Euromagic plutôt. Et donc c'est un serveur qui reproduit entre autres que je ne me trompe pas, voilà, Euromagic. Il reproduit entre autres plusieurs parcs, donc comme pour ceux qui connaissent Rope Park et Alton Tower, donc ils sont tous les deux des parcs qui se situent en Grande-Bretagne, et donc on va regarder ça un petit peu. Ce que je vois, bon, Alton Tower, je ne vais pas trop pouvoir vous aider parce que, comment vous dire, c'est un parc que je ne suis pas encore allé en vrai. Mais déjà pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est que niveau build, ça va. Et ça, par contre, je savais qu'il y avait un parc qui avait fait ça, bah c'est eux. En gros, ils ont déplacé, je crois qu'il y avait un coaster ici avant, enfin si je dis pas de conneries, et ils ont laissé une petite portion de rail en vrai. Donc c'est, bon, on voit pas les spécifications, mais on voit que ça a été fait par Vekoma, et d'ailleurs on connaît un petit peu parce que j'ai l'impression que c'est une inversion ça. Un tire-bouchon, si je dis pas de conneries. Et donc voilà, c'est sympa. Donc là on est au niveau de l'entrée, et on va directement entrer, j'espère. Bah, vous allez me dire, c'est un peu fait pour ça. Bon, dommage que ça ne tourne pas. Et j'espère qu'il y a des attractions qui sont ouvertes, parce que j'avoue que je découvre avec vous. Mais pour l'instant, le build, je le trouve sympa. Là on est au niveau de l'entrée. Bon, Halloween, je pense qu'ils sont un petit peu en retard les enfants. Halloween, ça... C'est passé un peu, hein. Là on est juste un peu en avril. J'ai l'impression qu'ils ont pas changé. Et eux aussi ils ont les... Ah non, c'est Freak Shop. Ok. On va regarder ça. Resort Box Office. Ah ouais, il y a vraiment un truc comme ça, genre un truc comme un cinéma. Là je vais voir deux secondes, hein. C'est juste pour m'informer, c'est un peu pour les caisses et tout. Ouais, à mon avis, c'est là ils ont leur fast-pass, enfin les coups de fil, etc. Ok. Bon, là, c'est, j'ai l'impression, soit c'est un mur, soit c'est... comment, c'est une palissade. J'ai plus l'impression que c'est une palissade. Et là, ici, il y a vraiment quelque chose comme ça. Bon, je pense que je vais aller à gauche, parce que le côté droit ne m'inspire pas trop. Donc, on va aller sur le côté gauche. Bon, Dreamas n'a pas pu être là en guest. Donc, on va dire que je fais un peu tout seul. Mais bon, c'est pas grave, hein. Parce qu'il est, il est un peu malade en ce moment, le petit Dreamas. D'ailleurs, j'ai hésité. Truc qui a rien à voir, hein. Mais il faut savoir qu'il y a, je sais pas si vous avez suivi, il y a Emmanuel Macron, donc qui a lancé un serveur sur Minecraft. J'y suis allé le voir vite fait. Bon. C'est de la politique, hein, donc moi, ce qui est politique, voilà, en vidéo, je vais pas vous dire pour qui faire, etc. C'était amusant, je trouvais ça amusant qu'il ait fait ça. Enfin, c'est son équipe, c'est plutôt le niveau des jeunes, etc. Mais bon, est-ce qu'on peut rentrer dedans? This seat to start the ride. Bon, ça soit, bon, c'est clairement pas l'attraction la plus sympa, mais bon. Donc ce que je disais, c'est qu'ils ont fait un serveur. Et donc, il y avait une déconstruction, tout ça, des hôtels de ville. Et à ce qui paraît, ils ont retransmis donc le meeting qu'il a fait, là, à l'arena, je ne sais pas quoi. Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner. D'ici tout sort de rail, bah écoute, c'est ce que j'ai fait, BG, mais bon. On va y aller, hein. Ah, non, c'est bon. Bon, c'est pas grave. Donc ils ont fait un serveur, etc. Bon, très amusant. Et donc, moi j'y suis allé. Et voilà quoi. Enfin, j'ai découvert un peu les builds, etc. Le pire c'est que niveau build, je trouve que ça va. Et tout ça pour dire, c'est intéressant. Oui et non quoi. Puis sachant que l'élection arrive en plus. Le premier tour d'ailleurs arrive le week-end qui arrive. Sachant que cette vidéo sort lundi normalement. C'est quoi ça? There's a little message, hein? More events over the creatures at the aquarium. Un aquarium? Ah, je connais vraiment rien à Alton Towers. Je sais qu'ils ont pas mal, quand même de bonnes attractions qui sont reconnues. Et c'est tout. Sinon, le reste. J'allais dire. C'est vachement petit, leur build. C'est vrai que c'est petit. Bon, ça a son charme, hein, des petits builds comme ça, je trouve. Oh d'accord. Mais ouais, ça change. J'ai envie de dire ça change. Bon là ça fait. C'est pas trop le genre de truc que je veux trop voir, mais passer comme ça rapidement.
avec les petites plantes, les petits poissons, etc. J'ai envie de dire pourquoi pas. Et là, bien sûr, hein, tous les parcs qu'on connaît maintenant, la petite boutique à la fin pour dire acheter, acheter, acheter. C'est quoi ça? Ok. C'est une petite... Je pensais que c'était une attraction, mais non, c'est juste un petit ruisseau. Et là, on va pas pouvoir avancer plus, je crois. Ah si. Et on a l'impression, les chemins, tellement ils sont petits, que t'arrives limite en zone un peu... Oh. En zone un peu réservée aux employés, mais pas du tout. Avec le petit... J'ai l'impression que c'est le petit monorail. Bon, ils ont pas fini, hein, ça se voit derrière. On voit en construction. Là, c'est les photos. Là, par contre, il y a vraiment un raft. Je l'ai vu. On va essayer de voir un peu, remonter le chemin pour voir jusqu'à où on va. Je sais pas si en vrai les chemins sont aussi petits que ça, mais c'est vachement pas grand, hein. Mais ça rajoute un côté un peu plus, on va dire un peu plus intime au parc, on va dire. Quoi, rapide? Ah bah c'est là. Bon, on y va, on va faire de la rapide, ça. C'est pas un coaster, mais c'est plutôt des paysans, donc moi ça me plaît bien. Là, on passe en dessous, vachement proche. Ride entrance. Ok, on y va. L'entrée de l'attraction. Je traduis. Mais bon, je pense que ça, y a pas de problème à traduire normalement. Ça arrive là. D'ailleurs, on commence à se rapprocher un peu de l'ouverture des parcs. Hein. Normalement, avril, c'est le mois de la réouverture. Ça va faire plaisir. Ça va être le retour des vlogs sur ma chaîne. C'est pour ça qu'il n'y avait pas trop de vlogs en ce moment. D'ailleurs, il y en a qui me le demandaient pour les vlogs. Et ben, voilà, ça arrive. Ça arrive. Normalement, ça devrait arriver. Normalement, il y en a un qui devrait arriver en mai, sûr. Et après, est-ce qu'il y aura d'autres vidéos entre-temps? Je ne sais pas. Je sais pas, je ne saurais pas vous dire. Mais bon. D'ailleurs, je vais peut-être faire je vous tiens au courant, là, je vais peut-être faire une chaîne Twitch. Une chaîne Twitch pour quoi faire? En gros, ça va être tout ce qui est live sur d'autres jeux. Bon, il n'y aura pas du Minecraft, hein, mais ça sera d'autres jeux. Donc ça peut être du Euro Truck Simulator, ça peut être... Oh! Ils ont mis des fausses personnes. ça peut être du Euro Truck Simulator, ça peut être du GTA, ça peut être d'autres jeux qui sortent et qui sont peut-être intéressants. Je vais essayer de le faire. Ça va pas être du tout normalement la même communauté que, bah, que ce qu'il y a sur ma chaîne YouTube. C'est pour ça que je veux bien séparer. Parce que j'ai déjà essayé de faire des petits trucs sur cette chaîne-là et c'est moyen. Hein. C'est vraiment, faut vraiment axer sur les parcs. Là où la chaîne Twitch sera pas forcément axée sur les parcs. Comme ça au moins, vous êtes au courant. Bon, d'ici là, vous serez tenu au courant quand même. Je vous tiendrai au courant sur cette chaîne, mais là c'est une idée qui est évoquée. Ah ouais, faut pas être grand. Hein. C'est vachement, vachement serré hein, pour un rapide. J'espère que t'as quand même des endroits où ça s'agrandit un peu, parce que là c'est vachement petit, je trouve. Mais moi, c'est une des attractions que j'aime bien, ça. C'est en plus quand il y a des jets d'eau. Quand il y a des jets d'eau, quand l'eau rentre comme ça dans la barque en été, c'est bien. Quand ça tangue, par exemple, c'est ce qu'ils sont en train de faire, là. C'est cool. Et là, est-ce qu'on passe direct? Où est-ce qu'ils ont fait? Oh. Et... Ah, ça, c'est stylé. Par contre, bon, c'est stylé. Bon, ça fait bizarre, un peu gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Mais c'est... On se rapproche un peu plus du réalisme. Peut-être que ça tourne comme ça, déjà. L'impression que c'est quand ça touche que ça va dans l'autre sens, en fait. Bon, il est tranquille, hein, ce raft. Hein. C'est pas... Enfin, ce rapide. Et olé... Pouf. Plouf. Je pense que c'est de la 1 de points. Hein. Ça, c'est pas plus grand. Hein. C'est limite même un peu plus petit, j'ai envie de dire. Non, pas en dessous de... Je ne sais quoi. De la route. Parce que c'est... Bon, comme rapide, on aura vu plus intéressant. Hein. Mid, j'ai envie de vous dire que je préfère Romus et Rapidus. Ou celui d'Europa Park. Mais bon, on va dans la forêt et tout. Une bira. Et comme j'ai dit, il est tranquille. Ah, peut-être des petites animations ici. C'est un peu plus grand. Ok, pas du tout. Pas du tout. J'aurais eu mon faux espoir. Ils ont mis toutes les caméras et tout. Je connaissais pas ce serveur d'ailleurs. Je me suis dit, quand j'ai regardé un peu pour les serveurs, parce que je commence à être un peu en manque entre guillemets, et ben je me suis dit, oh c'est sympa, comme c'est un parc que j'ai jamais fait sur ma chaîne en plus. Peut-être que ça va vous intéresser.
Parce que c'est vrai que le retour sur YouTube a été un peu. On va dire que je m'attendais à mieux niveau stats, mais bon, c'est pas grave, hein, je peux comprendre. Hein, surtout que le fait que j'ai été absent pendant une longue période, donc c'est compliqué de revenir sur des stats d'avant, c'est logique, j'ai envie de vous dire. Mais là, j'ai du mal à faire 100 vues par vidéo. Là où avant, je le faisais limite toutes les semaines. Mais bon, peut-être que ça va revenir petit à petit. Hein? J'espère. Après, je fais pas vraiment ça pour les vues, hein, c'est plus pour partager un peu une passion. On puisse partager une passion commune, j'ai envie de dire. Même si de base c'était beaucoup plus axé Disney, là c'est ça s'allergeait un peu plus sur les parcs. Et c'est comme ça, j'espère que maintenant ça va. Enfin, vous allez peut-être pouvoir plus découvrir, etc. Et si je peux vous donner en plus envie de découvrir certains serveurs, bah, c'est encore mieux. Pour ça, à chaque fois, je vous demande de commenter. Parce que c'est, j'aime bien moi, enfin, j'aime bien prendre le temps de vous répondre. Puis si je peux vous apprendre des choses, bah, c'est encore mieux. Enfin, je dis pas que. Peut-être que même vous allez m'apprendre des choses. Parce que bien sûr que je ne connais pas tout, c'est normal. Mais ce qui est bien, c'est que vous êtes là aussi un peu pour m'aider, on va dire. C'est comme quand j'ai sorti l'ancienne vidéo sur Elementary, on me disait, ah mais en fait, c'est parce que je me plaignais que la vue était statique. C'est-à-dire qu'on pouvait. Enfin, sur un serveur comme ça, je disais, c'est dommage que la vue soit statique et qu'on puisse pas tourner notre champ de vision, par exemple. Et ben là dans les commentaires on m'a dit ah oui mais en fait tu savais pas mais sur le oula sur le site web du serveur et en fait il y a un bot que tu peux installer qui là modifie ton champ de vision. Ça par exemple je savais pas même si enfin je le savais pas à l'époque où j'ai tourné la vidéo mais entre-temps je l'ai su. Et voilà quoi donc ça c'est bien des petites infos comme ça. Bon bien sûr soyez polis. Genre bonjour etc. C'est sympa aussi. Moi, ce que je pourrais reprocher, c'est vraiment que c'est limite, hein, niveau hauteur. Puis, on passe un peu dans les blocs. Mais bon, ça, vous le savez que j'aime pas du tout. Et on retrouve quand même les... Ça par exemple, à Walibi Rhône-Alpes, eh ben, c'est un modèle où il n'y a pas la roue qui tourne. Mais je me disais, ça, tu dois perdre de fou de débit, en fait. Le débit, il doit être inexistant dans ce genre d'attraction quand t'as... Quand il doit s'arrêter, ça c'est ce qui est bien, c'est qu'avec ces roues-là, c'est que enfin ça s'arrête jamais en fait. Alors que si tu fais une station en ligne droite, dommage qu'il n'y ait pas les photos. Eh ben, ça s'appelle comment? Congo? Congo, ok, bah, je comprends maintenant. Je disais donc, quand en ligne droite, bah tu es obligé de t'arrêter, donc bien sûr ça fait un moins bon rendement. C'est pour ça que la plupart des grands parcs utilisent quand même ce système-là. D'ailleurs, c'est étonnant, je trouve, de Walibi Rhône-Alpes, mais bon. C'est pas grave. Comme Nigloland, hein, Nigloland utilise aussi ce système-là, pas pour un raft, mais c'est pour une petite visite. Je crois que c'est Africa Cruise. Ils utilisent ça, bon. En vrai, je pense que c'est un peu une erreur, mais bon. Je pense qu'ils n'avaient pas prévu à l'époque, parce que surtout que Nigloland commence à devenir un grand parc, hein, quand même. Bon, on est arrivé par là. Là, il y a des restaurants. C'est quoi ici? Runaway. Bon, on y va. On va faire ça et je pense que ce sera la dernière vidéo de. Enfin, la dernière vidéo. Moi, je suis fatigué, moi. Ça sera la dernière attraction de cette vidéo. Bon, il y a certains endroits sur mon PC, je sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais ça lag un petit peu. J'en suis désolé. Je sais pas ce qu'il y a. Le PC galère un petit peu. Et là, on le sent encore plus dans cette file d'attente, je trouve. Et d'ailleurs, je pense que peut-être que vous l'entendez un petit peu en fond. Il y a mon ventilateur qui est en sueur. Je compte quand même investir, je vais me mettre tout derrière, ouais. Je compte quand même investir dans un water cooling. Donc un water cooling, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est... là, actuellement, mon système de refroidissement, entre guillemets, c'est des ventilateurs. Le problème des ventilateurs, c'est que ça fait du bruit. Donc voilà, donc ça fait du bruit. Et donc là, en passant sur un water cooling, ça sera plus efficace, ça permettra de pousser les performances et ça sera plus silencieux. Bon, le problème de ce système-là du water cooling, c'est que c'est plutôt cher, on va dire. Si tu veux taper dans du bon, faut mettre l'argent. Mais j'ai envie de me dire, là c'est. Quand t'as ça après, ça, tu l'as toute la vie, donc pas toute la vie. Tu l'as pour un bon moment, je pense. Surtout si tu prends une bonne marque. Et puis ça sera forcément mieux. Surtout pour l'usage que j'en fais. Donc franchement, je me tâte. Je pense que je vais l'acheter. Mais je vous tiendrai au courant. Bah, c'est pas moi qui l'ai, c'est la texture un peu qui galère un petit peu. Bon, je vois un peu le genre d'attraction que c'est, ça. Pareil, c'est sympa, hein, ce genre d'attraction-là. Ah, d'accord.
Je me disais pourquoi on dans le, en fait dans le rapide en fait le train passe à côté. Ah c'est intéressant. Moi j'aime bien ça dans les attractions elles s'entrecroisent. Je trouve ça stylé franchement. Après je sais pas vous mais moi franchement j'adore. Et là on arrive à la fin. Est-ce qu'il y a un deuxième tour ou pas du tout? Il y a pas de deuxième tour. Ça me fait penser un peu vite fait à même si je sais pas si c'est le même système à Casey Junior à Disneyland Paris. C'est un Powerhead un peu. Je sais pas si c'est un Powerhead, j'ai l'impression que si. Et c'est sympa. C'est une petite attraction, c'est cool. Bon, on n'a pas fait les plus grosses attractions dans cette vidéo, mais bon, faut bien commencer par là. Donc on continuera... Ah d'accord, on sort par ici. On continuera bien sûr dans, le, dans la prochaine vidéo donc à visiter ce parc. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, c'était Emric. Bon début ou fin de journée. Salut à tous.